chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Valentine, que vous avez vu déjà au moins une fois dans notre vidéo drama. C'est ça. Et qui va nous parler de sa passion pour la Corée. Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 27 ans. Je vis juste à côté de chez Sam, dans le 92. Je crois que c'est tout. J'ai commencé par les dramas. J'ai commencé par les mangas, qui après ont suivi sur les dramas, qui après ont suivi sur la J-pop, après elle est suivie par la K-pop. Les dramas et mangas, j'en ai aucune idée. La K-pop, par contre, je peux dire c'est 2014. BTS, Monsta X, GOT7, My Name, BAP. Oui. Et lesquels du coup? Bah la K-pop, c'était le tout premier concert. Après ça a enchaîné très vite avec My Name, Crush, on a fait BAP, on a fait Hello. Réellement c'est que ça bouge, c'est que c'est très entraînant. Franchement j'ai écouté tout, hein. J'ai écouté de la musique serbe, j'ai écouté de la musique indienne, des OST, tout ça. Mais c'est vrai que ce qui revient en boucle sur mon écran, c'est la K-pop parce que je m'en lasse pas en fait. Dès que j'aime, j'arrête pas d'écouter. Et pour les dramas, le fait que t'aies des dramas de 20 épisodes et c'est fini quoi, c'est pas comme les séries américaines que j'ai beaucoup regardé, mais t'as des pauses énormes, c'est faut te rappeler ce qui s'est passé, revenir dessus et tout ça en fait. Enfin, si j'en parle, mais si tu veux qu'on prenne pas en fait tout cet intérêt devant ce genre de choses. Je m'intéresse à tout l'univers, vraiment. Après, j'écoute de temps en temps d'autres chansons de d'autres groupes, bah, comme justement Top Dog, Hot Shot aussi, Exo, j'en écoute quelques-unes. Fallait que tu la sortes hein, celle-là. Bah oui. Je dirais Monsta parce qu'ils sont moins connus. Jisoo. Mais c'est pas juste parce que My Name ils font plus rien. Je dirais My Name. Je veux soutenir mes petits groupes. Jisoo, Jisoo. Le mélange des deux. Là, c'est le premier qui viendra à moi. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement sur nos réseaux sociaux. Annyeong. Annyeong. Passion pour la Corée. Toudoudoudou. Ah, carrément, c'est. Ok. Voilà. Et là. Salut.